Bonsoir tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo dans un ancien fort qui a été construit en 1876 de mémoire, qui avait à peu près 316 soldats. Après, s'il y a eu des morts par contre, nous ne le savons pas. Justement, nous sommes ici déjà pour voir s'il pourrait y avoir quelque chose par rapport à s'il y aurait des entités ici ou pas. Donc voilà, j'espère que cette enquête vous plaira. Et je vous dis à tout de suite. Bon, vous pouvez se mettre à l'intérieur de cet endroit. Naturellement, comme vous pouvez le voir, en fait, on est en plein milieu de la forêt. Donc, Donc, il y aura un peu de l'air de ça. Mais par contre, si vous avez envie de vous voir, vous pouvez vous mettre dans la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un espace commentaire. C'est vraiment basé que sur petit bâtiment. L'extérieur, on monte un petit peu comme ça. Ça fait de fait. Voilà. Donc là, ça c'est l'extérieur. Oui, l'extérieur. Oui, j'aime pas ça. J'aime pas ces bébêtes. Je sais pas si vous la voyez bien, mais oh, j'aime pas ça. La peur des animaux, c'est pas le top pour moi. Voilà, l'extérieur, comme c'est. Une petite porte là. Voilà. Donc là ce soir je suis accompagné de Nadège, d'Assaut du Paranormal. Coucou tout le monde. Voilà. Et moi-même, Olivier, donc de l'équipe IMS. Donc on va essayer de voir si on peut rentrer en contact avec d'éventuelles entités de personnes, de défunts qui auraient eu dans le coin, sachant que de toute façon ça a été beaucoup bombardé à l'époque. Donc il n'est peut-être pas impossible qu'on capte quelque chose. Alors, au premier abord, vous entendez beaucoup de bruit. C'est le vent. Donc ça, il ne faudra pas en tenir compte. Il se peut aussi que vous entendiez des véhicules qui viennent de la ville en contrebas. Donc ça, c'est pareil, c'est à ne pas prendre en compte. C'est pour ça qu'on se met à l'intérieur de... Très bien, faire attention à ça. Du... sorte de bunker, en fait. Pour éviter d'entendre trop de bruit en fait venant de l'extérieur. Justement, les températures, ce que ça donne.
Alors j'ai relevé plus de 6 degrés. Enfin, c'est bien ce qui me semblait. Il y a moins que ça. Il y a 0,9. 0,9 degrés à l'heure actuelle. Ça, je vais l'éteindre. Je descends un peu de lumière. Voilà, c'est éteint. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Mais je vais vous le faire voir à la face cam. Voilà. Il y a 0,9. Il n'y a presque que un seul degré. Voilà. Où nous sommes. Donc là, je t'en dis, écoute, là, je me mets en vigilance. Désolé. Voilà. Il fait à peine un degré. Donc désolé si dans le noir vous ne voyez pas de face cam, c'est normal. Elle n'est pas infrarouge. C'est une caméra normale. Mais le plan principal, il est en infrarouge. Donc. Comme ça. Je vais disposer donc le MK8. Alors évidemment, ouvrons l'infrarouge, vous le verrez éclairé blanc. Si j'enlève l'infrarouge, vous allez voir qu'il éclaire vert. Et encore, pas si on le voit bien. Donc je me présente, je suis Olivier de l'équipe IMS. Je suis en compagnie de Nadège, de l'équipe ASSO du Paranormal. Bonsoir. Nous sommes venus ici ce soir afin de voir ou d'entendre votre présence si vous êtes par ici, avec nous. Sachez que vous pouvez interagir avec nous par les micros, que ce soit de la caméra, enfin des caméras, ou des micro-enregistreurs. Vous avez aussi possibilité d'interagir avec le petit boîtier noir qui est éclairé vert à l'heure actuelle, qui est à MK8. Bon, peut-être que pour vous, ça ne vous dit pas grand-chose. C'est un boîtier assez sophistiqué, mais qui permet de détecter votre présence. Si vous vous en approchez, vous allez voir, il va changer de couleur, il va piper. Et c'est totalement inoffensif pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît? J'ai l'impression que ça joue avec la température. Et j'entends des bruits. Alors désolé si vous entendez des petits bruits. Est-ce que vous entendiez quand je bouge avec les polières?
Si vous êtes présent parmi nous, est-ce que vous pouvez faire un bruit venant de l'extérieur ou juste à côté de nous? S'il vous plaît. J'ai entendu un bruit. Écoutez-moi. J'entends comme un bourdonnement en permanence, comme s'il y avait un moteur. Non. Ça fait tac, tac. Enfin, ça fait tac. Enfin, c'est un bruit bizarre. Ça fait deux fois que ça me fait du côté gauche. Faire. Ça fait tac. Je n'entends pas. Par contre, je vois beaucoup de choses tomber. Non, c'est peut-être ça, là, qui tombe pas. Comme des... Alors, je peux pas affirmer que ce soit des ordres ou de la poussière, j'en sais rien, mais en tout cas, ça vient de mon côté droite. Et ça part en direction de devant. Parce que moi, ce que j'entends, c'est du côté là. Waouh, quelque chose qui m'a plongé dessus. Sachez que c'est la première fois que l'on vient enquêter dans un endroit comme ça, de nuit, afin de récupérer justement une preuve de l'existence, on va dire, de l'au-delà. D'une vie de l'au-delà, oui. J'ai plein de bruit de mon côté gauche. Je capte rien. Pourtant, le son il est à fond. Je Je suis peux pollué par t'assurer. le bruit de l'extérieur. Ça joue bien avec la température. On est à 8, 8-9. Est-ce que vous pouvez faire un gros bruit pour nous prouver que vous êtes parmi nous? Ou venir parler dans les micros? De toute façon, j'ai un casque, donc vous entendrez immédiatement. On est à 8-5. Moi j'ai un souci de batterie, ça commence déjà. Je fais un petit coup de la dernière fois. J'allais chercher la prise. Désolé, j'ai un petit souci. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que je l'ai emmené, sinon. C'est bon. J'y ai pensé. Je sens que ça me fait.
sûre qu'elle... Pardon, désolé. Ça aurait été intéressant. Non, désolé, j'ai oublié le cadeau. Ah. Je suppose. C'est toi qui fais des bruits là ? Ouais, là c'est moi. Je mets des affaires dans la poche. Là, parce qu'il me semble avoir entendu marcher dans les feuilles. Tu veux qu'on arrête là ? Tu veux qu'on arrête là ? Je sais pas, c'est bizarre. Attends un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ? Il y a quelqu'un ?
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau. C'est ça que tu entends. C'est goutteux. La condensation, en fait. Mon stéréo s'est coupé. Mais non, par contre, j'entends le marché. Putain, ça. Amis, je sais pas comment penser. Ton stéréo s'est coupé. Peut-être t'avais oublié de mettre en gestion. Ça me bouffe toute la batterie là. Ouais. Alors là, je l'ai rallumé, mais ça va pas durer. Bizarre, cet endroit il me rassure pas plus que ça en fait. Tu viens hein, si tu veux. On va pas le passer à autre chose. Si c'est vous depuis tout à l'heure qui marchez, est-ce que vous pouvez recommencer? Comme s'il y avait quelqu'un qui fouillait en fait dans une feuille. Bizarre. Ça s'est recoupé. Ce qu'on trouve de bizarre, c'est que les amis, c'est que le dictaphone d'Anadèche, il s'arrête pour le problème. Je peux plus l'utiliser. Et qu'en plus, pour vous signaler juste une chose, ma caméra, la batterie était pleine, chargée à bloc, et je m'en retrouve pratiquement à zéro. Je suis obligé d'utiliser, pour le coup, heureusement j'ai prévu une batterie de secours. Tout à coup, je ressens une oppression. Oui, mais je l'ai depuis tout à l'heure, moi. Je commence à la ressentir. Qui puissante, d'un coup. Cet endroit, m'inquiète. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, ici, mais personnellement, cet endroit ne m'inspire pas grand-chose. J'entends des trucs venant de l'extérieur, c'est un truc de fou. Putain. Et là, il y a combien?
Ça a bien descendu, ça. On était à 0,90 et quelque chose, là on est à 0,71. Et la température se casse tout le temps la figure. Au pire, tu peux me mettre dans ta poche. Au cas où, parce que j'arrive pas à une main. Je suis mis dans ma poche. Et je prends juste mon sac à dos en cas où si vous voulez. Au cas où. Je te dis, j'entends des trucs, c'est. Encore, c'est quelqu'un de physique, ça, c'est pas. C'est ça me fait penser à ça, mais quelqu'un qui cherche par terre quelque chose qu'il a oublié ou je sais pas. Alors que j'arrête pas de demander s'il y a quelqu'un. Et ça me répond. T'as regardé à l'extérieur ? Oui, j'ai écouté. C'est quoi ce pipe ? Ah, c'est moi ça. J'ai dû appuyer sans vouloir là-dessus. Non, pas même pas. Quelque chose qui a bipé. Peut-être moi aussi, j'ai dit tout le monde dans les pages. Non, il y a quelque chose de. Franchement, il y a quelque chose d'insensé dans ce lieu. J'espère que vous aurez entendu la même chose que moi parce que sérieusement, ça me fait. Non, en fait, là. Un effet que j'ai pas du tout. Pourtant, dis-lui, j'en ai fait quelques-uns, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Bizarrement, ça a été proche de nous, puis j'ai l'impression que là, du coup, j'avais cette oppression, donc c'était proche de moi. Et puis là, d'un coup, je l'ai plus aussi fort que tout à l'heure. Non, par contre, j'entends des bruits. Pas très catholique. On le dit ouvertement. Moi, je te fais confiance. J'entends un véhicule, ça bourdonne. Puis là, je l'entends toujours. Comme un véhicule qui est stationné. Pas très loin, je crois. Là, tu vois, dès que je sors, j'entends plus ce bourdonnement en permanence. J'entends plus. Je t'ai dit, c'est un bruit résiduel. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un bruit résiduel. Je sais pas. À vrai dire, je sais pas. Quand ça fait ça, si. Ça
C'est un ronronnement permanent que je n'entends plus. Et le tchitch que j'entendais, c'était quelque part par là. On va bien voir. Pourquoi? Parce que j'ai pas de... Désolé, les amis, c'est tout. Bon, là, vous allez entendre forcément le vent qui est pas mal levé ici. Donc voilà l'endroit qu'on vient de faire. Ah, bah, on va pas le voir. Si, peut-être comme ça. Mais l'endroit est énorme. Enfin, énorme, pas si énorme que ça, mais on est déjà pas mal grand. Moi, je suis à l'aveuglette aussi. Ah, c'est horrible. Je vois rien, je suis désolé. J'essaie de vous trouver mon spot infrarouge qui est je ne sais pas où, j'espère que je ne l'ai pas paumé. Non, je déballe l'appareil photo pour faire quelques clichés quand même. Désolé si je me sens. Parce que je pense qu'en fait, le bruit de moteur, comme on avait. Ça faisait combien de moteur et essence en fait? C'est ça. Mais en fait, c'est un bruit résiduel. Et ça, c'est. Je l'ai déjà entendu dans une des vidéos de David Gerser, Paranormal du 24, je pense qu'il y en a, il y en a qui connaissent. Et je l'ai déjà entendu dans une de ses vidéos. Et justement, ce genre de bruit, c'est des bruits résiduels. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Je vais prendre à mettre le même dessus, désolé. Qu'est-ce que j'ai fait mon premier spot? Putain, je vois rien. Ah non, j'espère que je l'ai pas perdu. Hein. Parce que je l'ai pas avec moi là. Ça me plaît moyennement. Qu'est-ce que me semblait que j'ai eu? Tu me perdais ma moumoute. Bah, garde-la avec toi, parce que là, il y a des gens que je sais pas du tout mon spot infrarouge que j'avais tout à l'heure. Ça commence bien. Voilà, finesse. Je sais pas où il est. Je l'avais tout à l'heure. Tu veux qu'on retourne à l'intérieur? Parce que là, ça m'ennuie. Je préfère vérifier dans mon truc. Il faut pas qu'il soit là-dedans plutôt qu'ailleurs. Voilà. Et il est là. Ok. Je préfère ça. Ok, c'est bon. Je ne l'ai pas paumé. Je prends les photos. Bon, on va ressortir du fond.
façon, on va aller sur une de la pointe. C'est puissant. Je te dis, moi, cet endroit, il me... Mais en fait, peut-être parce qu'il y a plusieurs entités aussi. Hein. Quand j'écoute, là, il n'y a rien. J'entends très peu. Si je vais par là... J'entends son roulement. Là, je l'entends. Oui, je l'entends. C'est un bruit résiduel, j'ai l'impression. Si j'enlève le casque, il n'y a en fait aucun bruit. Il n'y a rien. Je l'ai entendu il y a quelques minutes. Hein. Et pourtant, j'ai rien. C'est des bruits résiduels, je pense. Je pense aussi, ouais. C'est pas impossible. C'est là, bon, là, on entend la ville, ouais, c'est normal. On arrête l'enquête du coup ? Ouais, là il y a un problème. Quoi ? Il vient de s'arrêter aussi. Parce que du coup, faut leur. Là, je ne trouve plus. Non. Faut que je suis au coup de bâton. Désolé. Ouais, pas trop de... Faut peut-être dire au revoir. Et puis qu'ils ne suivent pas. Alors, qui vous soyez, si vous êtes par là avec nous, on vous demande juste une chose, c'est de ne pas nous suivre, de bien rester sur place. Et on vous remercie en tout cas pour les éventuelles réponses que vous avez pu nous donner. Ouais. Et on verra si on doit revenir un jour ou pas, on verra. On verra ça après analyse. S'il y a vraiment besoin, on reviendra. Si on entend quelque chose de vraiment... Mais pour le coup, on entend bien grand chose, c'est assez maigre. Bah moi, je vous remercie aussi beaucoup d'avoir pu essayer d'avoir un contact avec vous, en espérant que vous avez pu... essayer de montrer que vous étiez là d'une manière ou d'une autre. Du coup, je vous dis aussi de pas me suivre. Je ne veux pas que vous me suivez. On reviendra s'il le faut, mais vous me suivez pas. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, du coup, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup. Et merci. À une prochaine fois. Bonne soirée. Maintenant, ça va être comique pour descendre. Non, ça va aller. Non, ça va aller. C'est que tu prends dans les ronces, quoi. Enfin, dans des anciennes ronces à la con qui sont restées sur place. Eh, oui, putain. Ah, c'est pas grave, il y aura juste la gamelle en direct. Vous entendez. C'est pas évident. Sauf qu'il est vraiment grosse, pareil. Je ne l'ai pas fait. Mmh. Cette lame a battu, elle a 3 degrés. Alors que c'est pas plus gros. C'est pas ça, parce que j'ai cherché à bloc. Il y a un truc qui est complètement bleu. En fait, c'est en bouchant certainement les... Moi, j'ai pas trop compris pourquoi ça s'est coupé net. Moi, c'est de. Pardon.
pense que c'est les bateaux. Ils sont en stress. Parce que quand j'ai rallumé, ça a fait quoi ? 100 secondes. Les gens sont oui. Ça s'est coupé. Et vraiment, quand j'entends ça, c'est qu'il y a des bateaux. Bon. Bah moi, le truc, c'est que ça m'a pas prévenu du tout. Alors moi, ça me l'a fait au deuxième coup. Parce qu'au premier coup, je l'ai pas entendu. Pas de pénètre. Bon, je savais que l'été, c'était pas tout à fait normal non plus. Mais par contre, pour la batterie de la caméra, là, je veux dire que le froid, c'est des gringoles, les batteries, mais pas à ce niveau-là. Là, je vais essayer de passer la réforme. Oh, bon, en tout cas, je tiens à préciser, que toute personne qui veut faire la vidéo chez nous, je n'encourage personne à le faire. Sachez que le paranormal, déjà, premièrement, ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est pas un phénomène de mode non plus, hein, que certains disent. Et je suis contre ça. Et sachez une chose, ça vous risque péril. Nous, on sait qu'on encourt des risques. Voilà, faut pas faire n'importe quoi. Voilà, et pour vous prouver, voilà. Ah oui, c'est bien marqué terminateur de présenter. Oui. Voilà, je vous l'invente pas. C'est pour ça que. Bon, c'est ouvert à tout le monde, puisqu'il y a plein de promeneurs qui viennent de toute façon. Quand on a entendu, c'est pour ça que quand on a entendu les bruits de moteur et tout ça, on a préféré quand même sortir. Parce qu'on est quand même sur un terrain militaire et on ne va pas jouer non plus. Bon, c'est sauf ça. Que là, on a eu de la chance, c'est du bruit résiduel. Voilà, en fait, le bruit qu'on entendait de moteur, c'est un bruit résiduel. Alors, comment vous sortez l'artillerie de pied. C'est une artillerie lourde. Hop. Du coup, je vous reprends, je vais vous faire un petit. Alors, petit débrief du coup sur ce qui s'est passé. Bon, déjà, il y a une oppression. On a entendu des bruits. Autre que les bruits de voiture ou les bruits du vent. Et on a entendu un bruit de moteur, mais c'était pas pareil. Je vous le montrerai, je ferai en sorte que vous entendiez mieux sur la bande de son, et si ça s'entend, j'espère. Pour moi, il y a sans doute quelque chose ici, mais en tout cas, ce son-là, pour moi, c'est un bruit résiduel, et ça, je suis persuadée. Parce qu'il n'y a que dans ce lieu qu'on l'entend. Et une fois qu'on sort à l'extérieur, on ne l'entend plus. Et c'est par moments, c'est pas tout le temps. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec ces images. Et je vous dis à une prochaine enquête. Petit message aussi par rapport aux enquêtes paranormales. S'il vous plaît... Le paranormal, ce n'est pas un jeu. Ça, il faut le savoir. Le paranormal, c'est du sérieux et c'est ni un phénomène de mode. Alors, faites attention à vous, d'accord ? Et puis, je vous souhaite du coup une très bonne soirée. Puis, à la prochaine pour une nouvelle enquête. Bisous, bisous.